Bonsoir. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette troisième table ronde de notre cycle Religion, des mots pour les comprendre, dont Philippe Godin, ici présent, est le conseiller scientifique. Nous avons donc ouvert ce cycle qui se poursuit jusqu'à fin juin, le 22 février, par une première table sur la religion. Ensuite, le 8 mars, c'était le sacré. Et aujourd'hui, nous traiterons donc de la foi. Alors, pour ouvrir cette table ronde, nous allons projeter un petit film d'un linguiste, Bernard Cerchiglini, qui nous présentera l'étymologie du mot. Et ensuite, je passerai le micro, la parole, à Frédéric Azatsu, qui nous fait la gentillesse de modérer la table ce soir, avec nos trois invités, donc Philippe Godin, Anne Gottman et Paul Clavier. Merci à tous. Le latin fides signifiait aussi bien parole donnée que confiance. Le mot français foi qui en résulte a hérité de cette ambivalence. Il possède tout d'abord un emploi objectif, désormais minoritaire. C'est une promesse, un engagement. La foi est un acte. On nommait ainsi au Moyen-Âge le geste d'allégeance par lequel on devenait vassal en jurant sa foi. Un tel engagement est une garantie, foi de gentilhomme. On en comprend par suite l'emploi juridique sous la foi du serment ou faire foi comme le tampon de la poste. Mise en cause, on fait valoir sa bonne foi. Hors de ces emplois techniques, la langue courante possède encore une formule d'assertion « ma foi, il se débrouille bien ». Foi a d'autre part une valeur subjective. C'est une adhésion, une confiance. La foi est un sentiment. Celui qui l'éprouve a foi dans l'avenir, en son étoile, en une personne de bonne foi, au témoignage de laquelle il prête foi. C'est un consentement plein et entier à une vérité. Foi démocratique, foi patriotique, foi religieuse. Un tel emploi est désormais majoritaire. Employé de façon absolue, foi désigne la confiance dans les vérités de la religion. Avoir la foi, perdre la foi, laquelle peut être fervente ou celle d'un homme de peu de foi. Une telle restriction à l'usage religieux et même chrétien s'explique aisément. La foi n'est-elle pas, avec l'espérance et la charité, une des trois vertus théologales? Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous accueillir auprès de vous. Alors je vous poserai tout simplement cette question, avoir la foi, est-ce bien raisonnable? Avoir la foi, on vient de l'entendre, c'est une affaire bien complexe derrière la simplicité des mots, des sentiments. Est-ce que c'est une émotion, une intuition, une conviction? Il me semble, d'après les souvenirs de lecture, que c'est au tournant, comme on dit de nos jours, du XVe et du XVIe siècle, que la foi a commencé à être interrogée, et dans un monde que Marcel Gauchet considère comme désenchanté, on peut penser que la foi est aujourd'hui un îlot, mais un îlot de quoi? D'espérance, de bizarrerie, de transcendance? Nous allons le savoir en écoutant, enfin, nous allons le savoir. Nous allons cheminer plutôt en compagnie de nos trois experts. Et puisque précisément j'ai délimité un certain espace pour nous tous, qui serait celui des rapports entre cette société de, on pourrait dire, matérialiste. Et la notion de la foi, je vous propose que nous écoutions en premier lieu Anne Gottman. Madame Gottman, c'est à vous. Merci. Écoutez, c'est un sujet très impressionnant. J'essaierai de resituer la foi dans, plus exactement, de questionner la manière dont on peut observer, analyser, comprendre la foi dans le phénomène religieux plus vaste.
Je vais développer quelques remarques simplement, s'appuie sur une enquête que j'ai faite auprès de gens qui ont des rapports avec la foi de moyenne intensité, c'est-à-dire des gens pour qui la religion, employée dans son sens le plus général, est importante sans qu'elle se manifeste publiquement, sinon en dehors du cercle des intimes. C'est-à-dire que ça peut être des gens que vous côtoyez au travail, dont vous ignorez tout, et qui ont néanmoins, pour qui la religion, éventuellement la foi, ont une importance certaine dans leur vie. Et alors, ce dont je me suis aperçue, c'est que généralement, la sociologie, qui est la discipline depuis laquelle je suis partie, appréhende la religion à partir de deux entités. D'une part, les pratiques, aller à la messe, faire baptiser ses enfants, se marier à l'église, l'enterrement religieux, etc. D'une part, donc, les pratiques, d'autre part, les croyances, qui a à voir évidemment plus avec la foi. Avec aux deux extrêmes, je dirais, les bigots et les crédules, c'est-à-dire des gens qui pratiquent sans croire et des gens qui croient pour toutes sortes de raisons, que ce soit par conformisme, par facilité, par contrainte. En tout cas, tel que les sociologues voient en général les comportements religieux, des comportements plutôt dictés de l'extérieur. Et je me suis aperçue qu'entre cette approche très objective, matérielle et sociologisante de la religion et de la foi et le mystère prétendument insondable de la foi, il y avait tout un espace à explorer, une compétence. Une compétence des sujets à se forger des raisons, à penser et à dire ce qu'ils font en pratiquant ou en croyant ou en étant fidèles à leur religion. Et donc, en cette matière, comme en tout autre, je veux dire que le domaine de la religion n'est pas moins réflexif qu'un autre. Il est donc important de se demander non pas seulement ce que les gens font ou ce que les gens croient, mais quelles idées ils se font de ce qu'ils font et de ce qu'ils croient. C'est autant dire que la religion, comme tout autre domaine, comporte une part de réflexivité qu'une observation de type entomologiste ne permet pas d'apercevoir. En réalité, la religion et la foi, qui va encore une fois avec, parfois ou pas, est une activité et une forme de vie qui, au même titre qu'une autre, mérite non seulement d'être observée, d'être expliquée, mais d'être interrogée, y compris par ceux qui sont les premiers intéressés. Cet espace donc de réflexivité qui me paraît absolument nécessaire à introduire quand on aborde les phénomènes religieux est d'autant plus nécessaire qu'on est à ce qu'on appelle un âge séculier, comme dit Charles Taylor, et qui est caractérisé par le fait que la religion n'a plus le monopole, n'est plus en situation de monopole, comme elle pouvait l'être dans des siècles précédents. Et que nous vivons au contraire dans des mondes interpénétrés où les religions sont cantonnées à des espaces spécifiques, mais sont aussi en interaction constante avec des mondes profanes. De sorte que croyants et incroyants, fidèles et infidèles, sont désormais capables de partager leur expérience sans conflit. Ils peuvent avoir des conflits, mais ils peuvent ne pas avoir de conflits, se côtoyer et se comprendre. Autrement dit, les fidèles ne croient plus naïvement, dit encore Charles Taylor, mais ils savent que leur croyance est une façon de voir parmi d'autres. Croyants et incroyants à l'âge séculier apprennent de cette façon à naviguer entre deux points de vue. Un point de vue engagé, dans lequel on vit du mieux qu'on peut, et un point de vue désengagé
dans lequel on est capable de se voir occuper un point de vue parmi d'autres. Une fidèle, pour exprimer ce passage d'un monde à l'autre, disait « il faut tout le temps sauter dans la piscine », autrement dit se jeter à l'eau. Il faut passer d'un monde à l'autre pour éprouver sa croyance. C'est une scientifique qui travaille comme vous et moi, etc. Elle était croyante, elle est croyante, et voilà, il faut tout le temps sauter dans la piscine. C'est d'autant plus important donc d'ouvrir l'objet, les thèmes de la religion à l'espace de la réflexivité, que la foi et la fidélité religieuse, qui n'est pas la même chose, mais je dirais là plutôt la foi, n'a rien de foudroyant, comme on peut le croire, ni de linéaire. La plupart des gens que j'ai interrogés révèlent une foi à éclipse, et vous en avez tous fait l'expérience, une foi qui dure jusqu'à l'adolescence éventuellement, avec plus ou moins de conviction, qui peut disparaître pendant des années, et refaire surface à un moment ou à un autre, à l'âge adulte, ou ne jamais refaire surface. Je voudrais enfin mentionner, dans cette expérience de la foi et de la fidélité religieuse, la part importante que joue la transmission. La religion est un marqueur identitaire extraordinairement puissant, presque aussi puissant que le nom. Même des couples mixtes qui pratiquaient la double fidélité religieuse, c'est-à-dire qui entendaient notamment que leurs enfants reçoivent un double héritage religieux, connaissaient des points de doctrine non négociables, c'est-à-dire arrivaient à un point du dogme religieux du conjoint auquel il leur était impossible d'adhérer. Il y a là une part, je dirais, la part irréductible me paraît être une part identitaire. Et je crois que ça ouvre des pistes. Et à cet égard, je crois qu'il serait intéressant d'observer maintenant ce qui va se passer avec des générations d'adultes dont les parents eux-mêmes était déjà étranger à toute fidélité religieuse. C'est-à-dire des gens qui vont avoir maintenant... Enfin, on est en présence maintenant de personnes qui sont depuis deux générations en dehors du religieux. Alors que je dirais que jusqu'à une période à peu près récente, on avait beaucoup de gens qui avaient été, par exemple, baptisés et puis ensuite qui n'en avaient plus rien fait. Ils avaient été baptisés, ils avaient eu il y a eu quelque chose, ils pouvaient se déclarer catholiques de naissance d'ailleurs, etc. Alors que maintenant, on va avoir des gens qui de naissance ne se déclareront plus d'aucune religion. Et là, on peut dire que l'élément de transmission aura disparu. Voilà, ça c'est une interrogation pour l'avenir que je vous livre. Merci beaucoup. Philippe Gaudin, tout à l'heure justement, la foi a été présentée comme aussi un rapport de confiance. Vous avez souhaité nous faire partager vos réflexions inspirées par Blaise Pascal. Là-dessus. Voilà, alors en 10 minutes à peu près ou 12 minutes, je ne sais pas, j'aimerais juste développer deux points en quelque sorte qui me paraissent importants, car effectivement là, l'esprit de ces rencontres, effectivement, c'est des mots pour comprendre les religions, c'est ces mots qui sont lourds de sens, qu'on utilise tous les jours et qui ne sont pas si simples que cela à comprendre et à définir. Je veux dire par là que la foi, c'est un mot qui désigne la confiance, qu'on utilise d'une manière tout à fait profane, etc. Mais c'est aussi, effectivement, un mot pour désigner une relation très particulière à la transcendance, ou en tous les cas, à quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience au sens où on fait des expériences scientifiques. Voilà, donc j'aimerais parler de la foi de ces deux points de vue et en profiter pour soutenir, donc, à toute vitesse,
en quelque sorte deux thèses. Donc première partie, la foi au sens profane, au sens ordinaire, et je pense qu'il est impossible de vivre sans aucune foi. Alors pourquoi ? Alors effectivement, si on assimile la foi au fait de croire, eh bien je pense que croire est la chose la plus ordinaire et que la croyance est la substance même de la vie ordinaire de l'esprit. Alors, y a-t-il des choses dont on soit absolument certain ? La réponse est oui, mais il y en a très peu. Donc, je prends deux exemples très, très, très brièvement et très, très simples. Je ne sais pas, le fait que la somme des angles d'un triangle soit égale à deux droits, je crois qu'on peut en être certain. Si je dis « tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme », la conséquence, à savoir que Socrate soit mortel, c'est également certain. Autrement dit, d'un point de vue mathématique peut-être, ou d'un point de vue logique, il y a des choses sur lesquelles, comme disait René Descartes, Dieu n'en sait pas plus que nous. Et là, c'est vraiment l'objet d'une certitude. Pour le reste, on se rend compte que très peu de choses sont démontrées. Si je vous dis la tour Eiffel existe, par exemple, eh bien, nous le croyons tous, tout simplement parce que nous croyons à la permanence de la matière et nous l'avons tous vue un jour. Mais actuellement, nous n'avons aucune certitude quant à l'existence de cette tour Eiffel. Si je dis, par exemple, tel candidat va être élu ou va perdre aux élections présidentielles, eh bien, c'est des conjectures extraordinairement complexes qui reposent sur des tas de raisonnements, mais qui n'ont aucune rigueur comparable à celle de la pure logique ou à celle de la construction de concepts des mathématiques. Et même si je dis « il fera jour demain », je pourrais dire à quelle heure il fera jour en fonction de lois. Donc il y a une capacité de prévision, mais après tout, que la nature obéisse en permanence toujours aux mêmes lois, rien n'est absolument certain de ce point de vue-là. Voilà. Autrement dit, je ne mélange pas le croire et le savoir, je dis simplement que croire est la chose la plus ordinaire et la plus banale. Et nous ne pouvons pas ne pas croire. On doit en permanence tabler sur un certain nombre de choses qu'on ne peut pas remettre en question, sinon nous ne pourrions point vivre. Donc il y a croire que, mais il y a croire en. Si je dis je crois en toi, ça suppose tout à fait autre chose qu'une croyance comme le fait de dire que la tour Eiffel existe ou qu'il fera jour demain. Je pense, vous le comprendrez. Ou si je dis je crois en l'avenir meilleur de l'humanité, alors ça, c'est ce que les philosophes, en particulier depuis Kant, appellent une idée régulatrice. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut constater dans l'expérience, en quelque sorte, c'est une sorte de projection qui me permet en quelque sorte de vouloir et d'espérer. C'est ce qui me permet, je dirais, justement, d'ordonner ma pensée et d'ordonner mon action. Si je dis « je crois en l'avenir meilleur pour l'humanité », ça veut dire qu'il faut que je pense à quoi pourrait ressembler un avenir meilleur pour l'humanité, d'une part. Et d'autre part, si je dis « je crois en l'avenir meilleur de l'humanité », on peut imaginer que je ne me contente pas de me croiser les bras, mais c'est parce que je le crois ou que j'y crois que je vais essayer de le faire. Donc la foi est une idée régulatrice pour l'action. Et ça n'a rien à voir de ce point de vue-là avec une conviction purement religieuse. Et de ce point de vue-là, on pourrait faire le lien peut-être avec ce que, me semble-t-il, Anne Gottman a essayé d'établir, c'est-à-dire effectivement la question de la fidélité par rapport à ce que l'on a reçu. Et ça, je pense que c'est très intéressant et très très important. Et je pense que si l'on devait définir ce que c'est qu'une religion, eh bien une religion, c'est ce qu'on ne peut pas inventer, c'est ce que l'on reçoit. Nous naissons toujours après le monde, comme dirait Marcel Gauchet, certes avant notre action. Mais bref, le monde nous a précédés et les générations antérieures nous ont précédés. Comme disait un de mes profs, « Moi, monsieur, je me suis fait tout seul » et la réponse est « Oui, en effet, ça se voit hein ». Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas ne pas hériter. Et c'est ça qui fait l'humanité de l'homme. Et moi, j'ai toujours été étonné, voire ému, de voir à quel point chaque être humain se construit par rapport à un héritage reçu, par rapport à un héritage de parole, de langage. Et je pense que ce qui nous définit tous, c'est quelque chose comme la continuité ou la rupture, et l'un ne va pas sans l'autre, par rapport finalement à ce qui nous a été légué, et par des personnes vivantes
avec lesquels on a des relations d'amour et de désamour. Et de ce point de vue-là, je pense que la question de la foi a bien quelque chose à voir avec l'amour et effectivement avec ce qui nous affecte. Ce qui nous conduit peut-être à la deuxième partie de mon exposé, en quelque sorte, et qui fera, je pense, le lien avec ce que Paul Clavier dira sur les relations entre la foi et la raison. Et là aussi, j'aimerais soutenir une thèse qui serait la suivante. La foi religieuse n'est certainement pas ou pas toujours le fruit de l'intelligence. L'intelligence ne mène pas nécessairement à la foi, mais une foi religieuse qui ne rend pas intelligent ne mérite aucune confiance. Alors, pour le cas de Pascal, je pense que ça, c'est, il faut le dire, il faut mettre les pieds dans le plat. Fameux paragraphe des pensées, n'est-ce pas ? C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Alors, il y a quelque chose de très très fort. Et pour Pascal, ça veut bien dire que la raison est un sentiment. La foi est un sentiment, pardon. Le sentiment de Dieu, génitif objectif, génitif subjectif. C'est le fait de sentir la présence de Dieu, du point de vue de Pascal, mais c'est aussi peut-être sentir comme Dieu. C'est bien un sentiment, mais simplement, peut-être que l'erreur d'interprétation qu'il faut écarter, c'est de croire que par sentiment, on veut parler de l'intelligible confus ou de je ne sais quelle opération de l'esprit absolument brouillonne. Pour Pascal, le cœur est véritablement un organe de la connaissance et de la perception. Le cœur sent les vérités fondamentales, celles qu'on a tellement de mal à définir, un peu à l'exemple d'Augustin qui nous disait « si on ne pense pas à ce que c'est que le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais dès l'instant qu'il faut le définir, ça devient un peu plus compliqué. » Bref, comme si nous avions une intelligence, des notions fondamentales, comme peut-être des vérités les plus hautes, si elles existent. Donc dire que la foi, c'est une question de cœur, ça ne veut pas dire que la foi appartient au flou artistique, si j'ose dire, si tant est que cette expression ne soit pas une contradiction dans les termes. Et quand bien même les racines de la foi ne seraient pas purement et simplement de l'ordre de la démonstration, les principes se sentent, les propositions se concluent, comme dit Pascal, la foi doit rendre intelligible au moins la condition humaine. Autrement dit, je crois que même si la raison ne conduit pas à la foi, il me semble que la foi doit rendre intelligent ou rendre intelligible, non pas forcément le monde naturel, mais la condition de l'homme en ce monde. Et moi, je pense toujours à l'exemple de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui est un personnage historique, qui est très, très documenté. C'est tout sauf un mythe, Jeanne d'Arc. Peu importe ce qu'on pense de Jeanne d'Arc, mais c'est très intéressant de voir comment une jeune fille illettrée à des réponses dialectiques extraordinaires par rapport à des théologiens malins et assez méchants. Hein. Et il pose une question à Jeanne d'Arc, êtes-vous en état de grâce ? Voyez le piège, si elle répond oui, péché d'orgueil, elle est foutue, si elle répond non, arrêtez de nous emmerder. Hein. Et que répond Jeanne d'Arc ? Êtes-vous en état de grâce ? Et parlant de Dieu, elle répond, si je n'y suis qu'il m'y mette en état de grâce, Et si j'y suis, qu'il m'y garde. C'est dialectiquement génial. Et je trouve que c'est un exemple très, très intéressant. Et puis, pour conclure, peut-être, et sur ce point, je crois que Paul Clavier développera, et ça, c'est une question sur laquelle, je crois, nous reviendrons, parce que c'est une question qui est très grave, et peut-être que cette question est à la fois très ancienne et elle a une drôle d'actualité. On peut définir Dieu comme ce qui effectivement veut le bien, et on peut définir le bien comme ce que Dieu veut. Si vous définissez Dieu comme ce qui veut le bien, vous avez tendance à assimiler Dieu au bien, de telle sorte qu'au fond, la foi dont il est question, c'est plutôt une foi, je dirais, naturelle en quelque sorte. Hein, c'est un Dieu que l'on trouve en soi, dans son âme, pourvu qu'on exerce bien son intelligence en quelque sorte. Tandis que de l'autre côté, si vous pensez que le bien est ce que veut Dieu, quelle que soit la volonté de Dieu, vous pouvez très bien être conduit à faire des choses qui sont profondément immorales, à tuer par exemple, sous prétexte que Dieu le veut. Et là, effectivement, ça pose des questions tout à fait considérables. Et peut-être que je ne vais pas le développer maintenant et qu'on y reviendra. Le cas d'Abraham est de ce point de vue
tout à fait parlant et intéressant et l'objet d'une discussion sur à la fois la nature de la foi et les conséquences de la foi sur le plan moral. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, puisque vous avez eu la gentillesse de réaliser un enchaînement, je me tais et laisse la parole à Paul Clavier presque immédiatement. Oui, Philippe m'a tendu une perche et qui devrait se trouver matérialisée par la projection du début de quelques d'images. Si effectivement la foi est une source d'inspiration d'un ordre qui serait tout autre que celui de nos réflexes moraux, de nos intuitions morales, alors est-ce que la foi ne peut pas nous emmener sur les chemins de l'irrationnel au point tel qu'au nom de la foi qu'on a mise en Dieu, par exemple, eh bien, on pourrait aller jusqu'à sacrifier son propre fils. Alors, vous avez ici une gravure de sacrifice. Alors, les Juifs diront la ligature d'Isaac, les chrétiens, le sacrifice d'Abraham, alors que ce n'est pas lui qui se sacrifie. C'est, hein. Les musulmans diront non, c'est Ismaël. Hein. Et puis, peut-on, sous prétexte que l'ordre vient de très haut, dire oui, bah, c'est mon fils, il me l'a donné, mais quand même, j'exécute l'ordre, il vaut mieux être bien avec le patron. Alors, je ne vais pas discuter ça maintenant, je pense que ça pourra revenir dans le débat. Quelles sont les limites de ce qu'on appelle l'obéissance de la foi? Mais je voudrais juste remarquer que cette figure-là du sacrifice, vous ne la trouvez pas simplement dans les religions abrahamiques. Hein. Vous la trouvez également ici, c'est le tableau qui représente le sacrifice d'Iphigénie, hein, ou Agamemnon. Alors là, c'est un sacrifice intéressé. C'est pour avoir les vents de son côté, pour pouvoir mener à bien l'expédition de Troie, qu'il est prêt à sacrifier sa fille et puis une fille en Grèce, vous savez, c'est pas bon, pas si important que ça. Alors, je me permets de le dire parce qu'il y a quand même une chose intéressante, c'est qu'il y a plusieurs versions du mythe d'Iphigénie. Et souvent, dans la plupart d'ailleurs, Iphigénie est remplacée par une biche, par l'intervention d'Artémis, hein, de même que dans la version de l'Ancien Testament, Ismaël ou Isaac est remplacé par un bouc qui s'est pris quelque part, ou une chèvre qui s'est pris quelque part, je ne me souviens plus exactement. Hein. Bon, et ce n'est pas encore une fois purement européen tout cela, ou moyen-oriental. Vous trouvez dans la Bhagavad Gita, donc l'un des plus grands écrits, qui a même été considéré parfois comme un Upanishad à part entière, hein, dans la Bhagavad Gita, donc cette apparition en pleine bataille entre les Pandavas et leurs cousins, les Kauravas, eh bien, Arjuna, le prince, se dit non, je ne peux pas tuer mes enfants, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas possible. Et Krishna, huitième avatar de Vishnu, lui apparaît sous les formes de son cocher et lui révèle que si, il faut y aller. Pas de sentiment, c'est la volonté absolue du Brahman éternel, il n'y a pas à tortiller. Bon. Alors, je voudrais juste poser une question simple. Est-ce qu'au fond, c'est quoi ce fameux saut de la foi? C'est quoi cette fameuse obéissance de la foi qui autoriserait, et je le mets bien au conditionnel, un être humain à transgresser ce qui semble les limites inconditionnelles du vivre ensemble, à savoir détruire la vie d'un autre? Vous voyez que cette question est d'actualité. Et je pense qu'on peut raisonner cette question. Et je remercie Philippe d'avoir rappelé que même Blaise Pascal, à qui on fait souvent jouer le rôle de l'idiot qui dit « Ah, j'ai eu ma nuit d'extase maintenant, laissez-moi tranquille, la raison ne m'intéresse plus. » Le cœur dont parle Pascal, c'est le cœur, c'est une faculté des principes, faculté des axiomes, si vous voulez. C'est le cœur, dit Pascal, qui sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Ce n'est pas un truc ni flou, ni mou. Ce sont les décisions premières à partir desquelles. Et moi, il me semble qu'une foi... Et là, je vais tout à fait dans le sens de Philippe, une fois qu'il ne rend pas intelligent, qui ne rend pas compte de l'expérience humaine, hein, et de ses conditions morales, entre autres, est une imposture. Et donc, une foi, alors ça n'arrive pas simplement à certaines tendances takfiristes du salafisme, hein, ça, c'est arrivé aux chrétiens, c'est arrivé aux juifs, c'est arrivé aux hindouistes, ça leur arrive encore, hein, mais une foi qui inclurait dans son programme que je peux aller jusqu'à détruire l'existence d'une autre créature parce que ça plaît à Dieu, est réellement absurde. Et nous avons tous le devoir... Non pas de dire « ce sont les méchants takfiristes qui pensent ça », mais qu'est-ce qui, dans notre façon de concevoir la foi, rend encore possible une telle transgression? Alors, je voudrais m'interroger de façon un peu plus plaisante sur la question du saut de la foi. À la fin de Indiana Jones et la dernière croisade, le meilleur, Harrison Ford, ça? Oui. Harrison Ford, son père est en train de mourir sous une balle qu'un méchant nazi lui a décochée.
Et il faut le sauver. Et pour le sauver, il faut trouver le Saint Graal qui se trouve dans la petite caverne dont vous voyez l'ouverture de l'autre côté de la paroisse. Pas de la paroisse. Magnifique. Enfin, ce lapsus me paraît très révélateur. Oui, tout à fait. Alors, de l'autre côté, dans je ne sais quelle paroisse, dans je ne sais quelle chapelle, dont vous voyez ici l'entrée, eh bien, vous avez le Saint Graal, la guérison par le sang du Christ. Bon, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de passerelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Et alors, en consultant les souvenirs de son père et le carnet dans lequel son père a tout noté, eh bien, il se dit, oui, mais c'est une épreuve du saut de la foi. Et l'idée, c'est, voilà, si tu crois que tu peux traverser, tu y arrives. C'est la méthode Coué. Je crois qu'il n'y a pas de passerelle, mais je crois. Il n'y a pas de passerelle, mais je crois. Alors, évidemment, c'est très romantique. On dit, ah, ben, c'est beau, ça. C'est très beau, oui. C'est vraiment ça, la foi. C'est, je saute dans le vide, mais voilà. Bon. Alors, je crois que ce genre de conception de la foi, malgré sa beauté enfantine, est plutôt de l'ordre de la puérilité et de l'irresponsabilité. Quand ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'être parents ou grands-parents, quand vous jouez avec un enfant qui dit à me sauter dans les bras, qui ferme les yeux, saute-moi dans les bras, si au moment où il saute, vous allez vous prendre une bière en disant du moment qu'il croit que je suis là, ça ira, vous êtes gravement responsable d'une mauvaise conception de la foi, puis d'un accident qui peut être très grave. Grand-père indigne. Voilà, exactement. Alors du coup, je pense que si Dieu est un vrai père, ça m'étonnerait qu'il joue à ce genre de farce et attrape avec les êtres humains. Et du coup, j'exclus le schéma ici qu'on trouve dans les notes de Indiana Senior. Hein, et je vous pose la question. Le fameux saut de la foi, leap of faith, un faux ou un tox ? Alors, vous avez en haut l'image où on voit effectivement que l'on ne voit rien. On ne voit pas entre la position où se trouve Indiana Jones et le trou de la paroi, on ne voit pas de sentier. Mais si on se décale un petit peu, on s'aperçoit que les fabricants de ce magnifique parc d'attractions, qui étaient les anciens, eh bien, avaient en fait conçu une passerelle, mais qu'on ne peut voir quand on décale un petit peu la vue, quand on fait un pas de côté, si j'ose dire. Hein, parce que sinon, elle est parfaitement intégrée dans la perspective, hein. Un trompe-l'œil dont même les plus grands maîtres vénitiens n'ont jamais rêvé. Voilà. Un escalier qui existe, mais qui est furtif et qui s'intègre parfaitement dans le paysage. Vous ne le voyez pas. Et Indiana Jones, qui pratique une foi d'explorateur, mais qui a besoin de... commence par jeter du sable devant ses yeux. Il s'aperçoit qu'effectivement, la passerelle existe. Parce que sinon, on en arrive à cette absurdité de dire « je traverse ». Je sais qu'il n'y a pas de passerelle, mais je crois qu'il y ait une passerelle pour qu'il y en ait une. Et je pense que nous sommes très tentés parfois par cette espèce de méthode Coué en disant « c'est ça la foi, il n'y a rien, mais si je crois, j'ai tellement envie, voilà ». Je voudrais maintenant montrer le danger de cette conception de la foi. Je ne dirais pas qu'elle est naïve, la naïveté ne me gêne pas, elle est suicidaire. Et le problème, c'est quand elle entraîne dans la mort d'autres que celui qui croit lui-même. Alors, pourquoi j'y vois un problème ? Eh bien, ça ressemble trop à une sorte de méthode Coué. Et je ne crois pas que la méthode Coué soit un bon modèle de la foi. Et je voudrais juste emprunter à un immense dramaturge contemporain que j'aime beaucoup, mais dont j'estime qu'il a promu un modèle de la foi qui est vraiment suicidaire. C'est Eric Emmanuel Schmitt dans Oscar et la Dame Rose. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce scénario. Oscar est un jeune garçon qui vient de découvrir qu'il était condamné par un cancer, qui n'en avait plus pour que quelques semaines. Et la dame Rose, c'est une de ces dames d'hôpital, ces bénévoles qui visitent les enfants, leur font le soutien scolaire, les distraient, leur donnent le moral. Hein. Et cette dame Rose, c'est une ancienne championne de catch, mais qui a une foi de charbonnier ou de catcheur, je ne sais pas comment il faut dire, hein, et qui veut absolument donner de l'espérance à ce jeune Oscar. Alors elle lui dit, oui, mais tu devrais écrire à Dieu. Elle lui parle sans arrêt de Dieu. Alors, le problème, c'est qu'Oscar, lui, c'est un bon philosophe. Et il lui dit, pourquoi me parlez-vous de Dieu ? On m'a déjà fait le coup du Père Noël, une fois ça suffit. Alors elle est, Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël. Et il répond, si, pareil, bourrage de crâne et compagnie. Mais elle lui recommande, hein, tu écris à Dieu. Et elle lui dit, alors pourquoi est-ce que j'écrirai à Dieu ? Elle répond, tu te sentirais moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas ? Et alors là, une réponse admirable, mais que je trouve dramatique. Fais-le exister. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera complètement. Alors, il te fera du bien. Alors, c'est très beau, c'est émouvant. S'il s'agit uniquement d'une pédagogie, très bien. Mais s'il s'agit d'une catéchèse, et si c'est vraiment ça que le croyant pratique, alors il y a un problème.
Je vous dis pourquoi il y a un problème, et je vais essayer de m'arrêter dans les 10 minutes qui m'étaient imparties. Si je fais exister Dieu par l'opération réitérée de faire comme si Dieu existait, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'existe pas, mais l'existence de Dieu, c'est uniquement une projection fictive, un film que je me fais. Donc, il était une fois, sans S, hein, un Dieu qui existerait et me ferait du bien si j'y croyais. Je me raconte une histoire. Hein. Mais si je suis un peu lucide, même si, après m'être beaucoup raconté l'histoire, j'y crois, je dois me dire, en toute honnêteté, que ma croyance religieuse est autosuggérée. Et en tout cas, en aucun cas, je ne vais aller prêcher quoi que ce soit. Je vais simplement dire aux gens, vous savez, Dieu n'existe pas, mais si vous y croyez très fort, il finira par exister. Alors, c'est du cinéma, et Oscar mérite le nom d'Oscar du meilleur acteur. Mais il y a un problème beaucoup plus grave. Si vous considérez que le modèle de la croyance, c'est X existe si j'y crois, et X n'existe pas si j'y crois pas, alors vous entrez dans un monde invivable, un monde impartageable, parce que ceci n'existe que ce que je crois devoir exister. Alors, ce qui m'embête n'existe pas, ou j'ai pas envie que ça existe. Hein. Chambre à gaz, si j'y crois, ça existe, mais si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Dans un premier temps, ce genre de relativisme de la croyance est très agréable, vous permet de faire copain avec tout le monde, et finit par produire un monde dans lequel le respect inconditionnel des uns et des autres est à la merci de ma bonne humeur. Je vous remercie. Merci infiniment et merci à vous trois. Chers amis, vous savez que par tradition, on me demande de poser une ou deux questions, peut-être trois, mais bien évidemment, c'est une manière de vous encourager à en formuler à votre tour. Alors, si Philippe me le permet, je souhaiterais établir un pont, j'allais dire une passerelle, entre Anne et Paul, si vous voulez bien. Finalement, en vous écoutant les uns les autres, je me disais que dans une société qui ne sait plus trop bien ce qu'est la foi, ce qu'est la religion, dans une société où les gens n'arrêtent pas de dire « Ah oui, moi je crois en des choses, mais alors les religions bon, ?» Dans ce type de société, est-ce qu'on n'est pas conduit à une forme de déviance, hein, un peu perverse, et somme toute à une tentation de la toute-puissance? Parce qu'en vous écoutant, je me dis que, oui, évidemment, si je crée ma propre croyance, je suis un dieu pour moi-même. Hein. Alors, j'avais dit que c'était une question, il faut que je me taise. Donc, Anne, peut-être ? Oui, il est vrai que Paul a parlé de relativisation de la croyance, et c'est vrai que on a tendance, comme je disais, la religion n'a plus le monopole et de loin, dans notre pays et dans notre culture, parce que il faudrait quand même noter au passage que la France reste un pays particulier à l'égard de la religion. Un pays où la religion est particulièrement peu visible, peu avouée par rapport à des pays environnants, y compris de l'Europe. Mais bon, cette parenthèse mise à part, je crois effectivement que dans nos sociétés matérialistes, on a tendance à réduire la religion, c'est ce que je disais au début, a une forme de... Alors, crédulité, c'est pas ce que tu as dit, Paul, c'est pas la crédulité au sens croire au miracle, par exemple, un miracle physique, etc. Mais on réduit trop facilement la religion à de l'irrationnel. Ça, c'est évident que dans le monde rationnel et matériel qui est le nôtre, Le signe égal entre religion, foi et irrationnel est très rapide. Moi, c'est ce que je dirais. Oui, alors, moi, dans la présentation d'Anne, j'ai été quand même sensible au fait que, contrairement à un certain nombre de sociologues qui disent, écoutez, il y a des pratiques, on les décrit statistiquement, tant de pourcents se rendent au temple de Bouddha, et puis des croyances, mais alors, bien sûr, on supposera qu'elles sont toutes fausses ou qu'elles relèvent d'une infâme superstition. Anne fait l'effort de dire, mais attendez, les gens ne sont pas totalement stupides, ils se posent des questions,
Il y a des articles de leur foi qui mettent de côté. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais ça, je pense quand même que, même si ça a l'air improbable, il y a peut-être des raisons d'affirmer que les témoins n'ont pas menti, que tel miracle a peut-être eu lieu. D'ailleurs, si Dieu existe, rien n'empêche de modifier la nature. Bon. Les gens raisonnent. Et le croyant qui ne raisonne pas est un croyant fini, mais un croyant qui heureusement, est rare. Hein. Et alors, il en existe suffisamment sur la planète pour qu'on puisse les instrumentaliser et les envoyer se faire sauter. Et encore une fois, je rappelle, comme nous l'avons fait, nous chrétiens, nous juifs, nous hindouistes et autres, à d'autres époques de notre histoire. Hein. Vous trouvez toujours un Ravaillac pour aller assassiner Henri IV, il n'y a pas de problème. Tu ne tueras point. Ah oui, mais c'est Henri IV. C'est absurde, absurde. Voilà. Mais oui, cette absurdité, nous en sommes complices à chaque fois que nous disons foi égale irrationnel. Alors qu'il y ait des fois qui revendiquent l'irrationalité, c'est un fait. Mais est-ce qu'on va s'incliner devant les faits? Est-ce que la responsabilité de tout être humain, croyant ou non, n'est pas justement de dire, écoutez, toute foi mérite examen. Et un examen des raisons de croire n'est pas un désenchantement du monde, n'est pas forcément un appauvrissement, mais c'est un encouragement au dialogue. De toute façon, le seul dénominateur commun à tous les êtres humains, c'est l'exercice de ce qu'il leur reste de raison. Et du coup, à l'époque, on parle de dialogue multiculturel, multiconfessionnel, etc. Eh bien, allons-y, jouons la carte de la raison, jouons une carte pascalienne, hein, et non pas une carte, c'est incommunicable, chacun fait son délire dans son coin, il assassine qui il veut, du moment que c'est pas dans l'espace public, ça me paraît invivable. Merci beaucoup. Philippe, que vous inspirent ces deux remarques? Et surtout, il m'a semblé, en vous écoutant, que la part de raison de Pascal était aussi un encouragement au sentiment. Hein. Pascal, qu'on décrit souvent comme un homme un peu tourmenté, torturé, qui, par votre voix, nous apparaît comme beaucoup plus simple, paradoxalement. Est-ce que je me trompe? Alors, peut-être. Alors, deux petites réactions sur ce qu'ont pu dire mes collègues, si j'ose dire. Alors, par rapport à la réflexivité que peut constater le travail du sociologue, ça c'est très intéressant, hein. Contrairement à cette idée que les gens qui vivent dans leur pratique sociale et religieuse sont des idiots en quelque sorte, et voilà, et qui voilà. Et on peut aussi raconter cette histoire rigolote mais qui fait réfléchir. Quelqu'un va voir Einstein, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, peu importe. Et alors, en allant voir le grand savant, le grand scientifique, il voit quelques gris-gris sur sa porte, etc. Alors, il l'interroge, mais alors, j'ai vu sur votre porte, monsieur Einstein, vous qui êtes un homme de raison, etc. Mais pourquoi vous avez mis ça? Pourquoi alors, il dit, mais ça conjure le mauvais sort. Alors, mais comment ça, monsieur Einstein, vous croyez des choses pareilles? Ah non, pas du tout. Mais pourquoi vous l'avez fait alors? Il paraît que ça marche très bien, même si on n'y croit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très intéressant. Ça veut dire que même ceux qui présentent leur religion comme une pure orthopraxie, et parfois d'ailleurs avec raison, car il y a beaucoup plus de sagesse et de pensée dans l'éthique et dans les rites qu'on ne le croit, ça veut dire qu'on a aussi foi dans la valeur de ces rites et qu'on ne peut jamais complètement dissocier la pratique, les rites, d'une certaine réflexivité et d'une certaine foi. Quant à la question que pose Paul, alors évidemment, c'est une question énorme. Parce que quand on parle, si la foi, c'est la foi dans l'existence de Dieu, le problème, c'est évidemment le verbe exister. Alors, si on donne à exister son sens ordinaire, en latin, ça veut dire c'est ce qui se tient hors de moi. Alors, par exemple, cette table existe pour nous parce qu'elle se tient hors de moi. Alors, je pense qu'effectivement, dire que Dieu existe, c'est un blasphème si on donne au sens, au verbe exister, son sens ordinaire. Donc, à la limite, sans préjuger du point de vue qui sera le vôtre, ou qui, sur Dieu, ou je ne sais quoi, ou sur la foi, il serait plus, me semble-t-il, peut-être plus rigoureux de dire que Dieu insiste. Voilà. Insiste, ça veut dire que vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question de savoir si le monde a une origine, si l'origine du monde est hors du monde ou pas, etc., etc., ou si la vie a un sens, ou s'il se passe quelque chose après la mort, peu importe. Voilà. Cette question-là insiste, que vous soyez croyant ou pas. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. Quant à Pascal, et c'est ça qui est extraordinaire, je suis trop long, je le sais. Non, pas du tout. Sa fameuse nuit de feu, c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, on a trouvé dans un pli de son manteau, après sa mort, un petit billet
effectivement, 23 novembre 1654, depuis 10h30 jusqu'à minuit, etc. Et c'est là qu'il dit, effectivement, sentiment, joie, certitude, etc. Et il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, et non Dieu des philosophes et des savants. Alors, première remarque, Pascal est un homme qui lit l'Écriture. Il ne dit pas Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, conformément à l'Écriture. À savoir que Dieu est toujours unique, si j'ose dire, par rapport à celui avec lequel il est censé avoir une relation. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et quant à l'opposition au Dieu des philosophes et des savants, là aussi, on se trompe peut-être. C'est-à-dire que peut-être que le Dieu des philosophes et des savants n'est pas le Dieu personnel, comme on dit, mais le Dieu personnel est assurément le Dieu des philosophes et des savants. Il ne faut pas trop déconnecter. Et ce qui est remarquable chez Pascal, c'est que Pascal a eu cette expérience mystique, mais il la garde pour lui. Pascal est un mystique, sans doute, mais ça ne fait pas une compétence d'être mystique. Pascal, c'est un type qui argumente, c'est un rationnel absolu côté science, et c'est quelqu'un qui fait de l'apologétique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'argumenter. Il ne dit pas, j'ai eu une grande émotion mystique et donc vous allez me croire. Non. On l'a trouvé parce que c'est parce qu'il n'y a pas de foi qui ne soit à éclipse. Je veux dire, si vous lisez les grands mystiques, ils ne disent pas « Oh, quel bonheur, l'extase en Dieu !» Ils disent « Mon Dieu, que c'est dur parce que Dieu n'est pas là toujours. » C'est ça que disent les mystiques. C'est ça qui est admirable chez Pascal. Oui. Voilà. Alors, je suppose que parmi vous, quelques-unes et quelques-uns veulent poser des questions. On va vous donner la parole. Donc, vous avez parlé d'une contrainte extérieure à la foi et d'une héritage. Et moi, je me demandais en quelle mesure on peut parler de la foi s'il s'agit de cette contrainte extérieure et sociale. C'est vrai que, en l'occurrence, je parle là plutôt de la fidélité que de la foi elle-même, parce que... Mais je pense là, il me vient une image, enfin une observation qu'a fait un des rares très bons sociologues de la religion, un Américain, qui a remarqué que les enfants qui avaient vu leurs parents lire la Bible simplement, avait beaucoup plus de chances de devenir croyants, fidèles, que des gens à qui qu'on avait emmené à la messe, qui avaient été au catéchisme, à qui on avait expliqué le ci, le ça, etc. Et ça veut dire que voilà le type d'héritage aussi par où ça passe. C'est-à-dire, c'est d'avoir vu des parents lire un livre d'une certaine manière, car on ne lit pas la Bible n'importe comment, part donc du non-verbal, à la limite, que peut se transmettre quelque chose. Voilà donc comment aussi, par où passe une disposition à la foi. Je ne dis pas que ça ne passe pas comme un courant électrique, hein, mais disons que voilà ce qui peut être approprié ou non approprié par un enfant, là c'est l'exemple des enfants et des parents, mais ça peut aussi se passer entre adultes. Donc je crois que la question que vous posez, c'est au fond, est-ce que la foi n'est pas quelque chose de purement personnel, auto-engendré, etc. Ben, je dirais peut-être pas plus que le reste. La foi, c'est aussi quelque chose qui passe par le rapport à autrui et à des autrui significatifs que sont bien sûr les parents, le cercle des intimes et les proches. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Donc elle est bien une affaire de transmission. Oui, elle peut être aussi une affaire de transmission. Je parlais de la fidélité, parce que la fidélité c'est une catégorie plus vaste,
Mais je crois que, et la fidélité, bah, elle commence dans le fait qu'on fête Noël chez vos parents, donc vous vous dites catholique avant même d'avoir compris quoi que ce soit. La foi, c'est pas seulement ça, c'est autre chose, mais c'est plus intangible, mais ça peut aussi passer par des canaux de transmission de ce type. Une très brève question me vient à l'esprit. Est-ce que dans cette période qui est dans notre société, qui s'accommode mal des hiérarchies et qui évidemment les rétablit d'une façon encore plus violente, en tout cas plus virulente, parce que de façon presque sous-jacente, est-ce que cette notion de foi transmise n'est pas plus difficile à oui, d'abord, moi-même, sans passer par la hiérarchie, est-ce que des enfants regardent leurs parents lire ? Est-ce qu'ils ne regardent pas plutôt leur écran ? Je ne sais pas. Mais, mais la transmission ne se fait pas forcément... c'est moins la hiérarchie que le principe d'autorité. Autorité au sens positif du terme, de ce qui fait autorité. C'est-à-dire là, évidemment, la vision d'un père ou d'une mère qui lit la Bible, c'est une figure d'autorité, au sens plein du terme. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la foi comme intelligence, ce qui est un peu contradictoire en soi, parce qu'on opposerait, on pourrait opposer la croyance et la rationalité. Et en tant que scientifique, j'ai choisi de considérer que la part de croyance, c'est plus ou moins équivalent à de l'humilité. C'est-à-dire, j'accepte que mon questionnement n'a pas encore levé le voile sur ces choses-là. Et donc, vous parliez à l'instant des enfants qui n'ont pas beaucoup levé le voile. Et ensuite, avec le temps, plus on se penche sur le texte, plus on suit l'exemple, plus on apprend qu'il peut y avoir de la sagesse dans ce que faisaient les parents, dans ce que disent les textes. Et on ne finit jamais de lever le voile. Mais je me demandais si vous partagez cette égalité entre humilité et croyance. Est-ce que si la fille aînée de l'Église a perdu sa religion, c'est par péché d'orgueil? Voilà, je vous soumets ça. Pour revenir sur le début de votre question, vous dites, voilà, foi et intelligence, c'est vraiment deux sphères séparées. Je suis scientifique, donc la raison, c'est bien. Et puis la croyance, c'est quand on devient humble. Si la raison n'est pas humble, elle se croit toute puissante, elle généralise à outrance, elle fait des extrapolations, des interpolations qui ne sont pas bonnes. Donc je pense que l'humilité, ça ne doit pas être le croyant qui est humble et la raison impériale. Non, non. L'humilité, c'est pour tout le monde. Humilité pour tous. Et c'est une raison supplémentaire pour moi de dire, mais attendez, je suis d'accord que le régime de croire en, si je crois en Bouddha, ou c'est pas la même chose que de croire dans les lois de la gravitation universelle, hein, mais dans les deux cas, on ne croit jamais sans raison. Ces raisons peuvent être, alors c'est ce que rappelait Anne tout à l'heure, ça peut être des causes plus ou moins contraignantes ou des causes invitantes, comme de voir le comportement sage, dévoué, tolérant d'un certain nombre de personnes, et on va, s'il se trouve que ces personnes lisent la Bible, on va dire bah, peut-être que c'est là qu'ils ont puisé cette force. Mais inversement, si vous voyez quelqu'un lire la Bible tous les soirs et battre ses enfants et être odieux avec tout le monde, voler, violer, tout ça, bon, je doute que vous acceptiez ce modèle. Donc on a toujours des raisons d'accepter ou de ne pas accepter. Aussi bien dans les sciences, où on argumente à partir de données, et on teste le pouvoir prédictif d'une hypothèse ou son caractère plus ou moins explicatif, mais dans la foi aussi. Dans un premier temps, je vais croire ça parce que mes parents me l'ont dit, je crois au Père Noël par exemple, et puis je vais m'apercevoir un jour qu'en fait non, c'était un pieux mensonge qui d'ailleurs n'est pas dépourvu de vertu. C'était sans doute pour que je croie qu'au moins une fois par an, ce n'est pas l'argent qui décide du bonheur des enfants, mais quelque chose qui vient du ciel, ou de Rovaniemi en Laponie, quelqu'un qui vient déposer des cadeaux pour chacun. Donc il y a une pédagogie dans ces mythes de l'enfance. Mais les êtres que nous sommes sont appelés à grandir et à assumer des responsabilités. Et là, eh ben, les raisons de croire doivent servir de filtre pour abandonner ce qui ne mérite pas d'être cru, ce qui n'était qu'une béquille psychologique, un été affectif, hein,
et continuer à croire ce qui mérite de l'être. Et là, je pense que oui, la foi et l'intelligence doivent cheminer de concert. Sinon, n'importe quoi est possible. Or, on ne sait que trop aujourd'hui. Ce n'importe quoi n'est pas simplement distrayant, il est destructeur. Donc, évitons de retomber dans ces ornières en disant « Ah oui, mais là, la croyance, du moment que je suis humble, il n'y a pas plus humble que Raoul Villain qui va assassiner Jaurès au nom de sa foi catholique. » Je prends exprès des exemples un peu différents de ceux qu'on a tous en tête aujourd'hui. L'assassinat de Jaurès, c'est quand même pas rien. Le type au nom de sa foi catholique, voilà, il est resté vierge toute sa vie en vue de cette action qui devait libérer l'humanité de sa gangrène socialiste. N'importe quoi. Il n'y a pas plus humble que ce croyant-là qui a tout abandonné dans une soumission à une volonté, mais une volonté qui est irrationnelle. Il est irrationnel de confesser une foi en un Dieu qui dit « Détruis Jean Jaurès » ou « Détruis Henri IV » ou « Détruis... » qu'est-ce encore ? Et du coup, je crains fort que la croyance, malgré son humilité, lorsqu'elle est déconnectée d'une recherche d'élucidation, de justification, qui ne seront pas du même ordre que les justifications scientifiques, hein, mais je crains fort qu'elle nous mène droit dans l'abîme. Je ne vous impute pas du tout les crimes terribles dont j'ai parlé. J'ai une question, si vous permettez. C'est sur... Depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour du pot. C'est la question de la vraie foi. La vraie foi, le dogme, l'exclusion. Et est-ce qu'il est possible d'ériger la laïcité comme un antidote de la vraie foi, c'est-à-dire la foi qui nous emmerde ? Philippe ? Moi, je passe ma vie à faire ça professionnellement, à parler de la laïcité. Donc, comment dire en une phrase ce que je fais des heures et des années durant ? Je ne sais pas. En tous les cas, la laïcité, effectivement, c'est un principe juridique, mais pas seulement. En gros, qui consiste à dire qu'on protège la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc, c'est le principe de la laïcité, c'est la liberté, mais dans le cadre de la loi et de l'ordre public. Voilà. Donc au fond, s'il fallait vraiment retenir quelque chose de la laïcité, c'est que c'est une prise de parti très claire sur la nature de la loi. Ça veut dire que notre loi est une loi que l'on se donne selon des modalités qu'on va appeler le droit constitutionnel, par exemple, selon un modèle politique, alors ça pourrait être le modèle républicain et démocratique, par exemple, et que cette loi, qui n'est que politique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas inspirée, ou ça ne veut pas dire que les gens qui la font ne se posent pas des questions métaphysiques ou leur propre foi peut servir de ressource, mais dans le cadre de cette loi, dans le cadre de cette loi, la liberté de conscience, effectivement, est possible et protégée, de même que la liberté de culte. Je ne sais pas si je suis assez clair. Dans la Constitution de 1958, il est écrit « La République respecte toutes les croyances ». Mais ça, c'est parce que si vous étudiez l'histoire, vous savez que, je ne sais pas quoi, peut-être des catholiques ou je ne sais quoi, auront dit ben « Oui, il faudrait peut-être le rappeler parce que ceci, parce que cela ». Donc ça, c'est dans un contexte historique bien précis. Mais si vous devez apprendre à des enfants ce que c'est que la laïcité et ce que c'est que la Constitution de la République française, il faut leur dire « La République respecte toutes les croyances », c'est bien sûr que non. Et heureusement, dans l'histoire de l'humanité, la plupart des religions conseillent le sacrifice humain. Ce n'est même pas l'assassinat ou le meurtre. Hein ? Eh bien, si quelqu'un tue quelqu'un et vous dit « Oui, mais ça, c'est pour rétablir l'ordre cosmique », vous répondrez « C'est très intéressant sur le plan historique, anthropologique, mais pour vous, c'est les assises. » Voilà. Donc, ça veut dire que, encore une fois, si vos croyances et vos pratiques religieuses sont contre la loi, alors l'État seront contre votre religion. Et là aussi, tout n'est pas acceptable. Voilà, donc notre société, elle repose sur deux jambes. La loi, le peuple, et l'autre jambe, c'est le droit, le juge. Et l'une ne va pas sans l'autre. Il faut... Le peuple est une grosse bête très dangereuse et qui adore les dictateurs. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de dire la loi, le peuple.
Le peuple, parfois, vote des trucs complètement délirants. Donc, il est bon que ça soit le peuple et qu'on n'ait pas le gouvernement des juges, mais il faut les deux. Et le droit, bah, disons que dans notre société, bah, le droit est fondé sur un parti pris, grosso modo, qu'on appelle les droits de l'homme. Et là, la question intéressante, c'est est-ce que ces droits de l'homme n'ont pas été forgés aussi dans une large mesure par l'héritage religieux ? Et la réponse est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, qui est immense. Mais la laïcité, c'est un principe de liberté dans le cadre de la loi. Et la question de la séparation, c'est de la cuisine, à la limite. Ce n'est pas ma question. Moi, je suis avocat, la loi, je connais. Le juge, je connais. Je vois ça tous les jours. Ma question n'est pas là. Ma question est de savoir, dans un cadre où la loi est manifestement et inefficace et inemployée, comment peut-on lutter contre ces enseignements de la vraie foi par peut-être une conception de la religion ? Ou peut-être par un humanisme, ou peut-être par d'autres valeurs philosophiques. Est-ce qu'il y a réellement un mode, un traitement pour s'en sortir, alors, autrement que par une loi inopérante ? Oui, je vais. Voilà, voyez ce qui se passe en Angleterre. Je dis juste une phrase et je passe la main. Il faut, article 1, faire preuve de courage et faire respecter la loi quand elle existe. Ça, c'est un problème de courage. Et ça, c'est l'affaire de tous et l'affaire de nos hommes politiques. Mais les choses sont ainsi que souvent le courage est extrêmement rare. Et sur la question de fond, effectivement, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une mobilisation de toutes les ressources humanistes, qu'elles soient à la limite agnostiques et qu'elles soient religieuses. Non pas dire on va supprimer les religions pour se débarrasser justement de la violence religieuse, mais il faut trouver une alliance, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire, entre, j'ai envie de dire, les humanistes agnostiques et les humanistes religieux, contre les fanatiques athées, parce qu'on a beaucoup tué aussi au nom de l'absence de Dieu ou de la négation de Dieu, et les fanatiques religieux. Donc il faut du courage politique et puis alors un travail philosophique auquel on se livre tous actuellement avec difficulté. Mais bon, je ne sais pas ce que diraient mes collègues. Non, moi j'entends la lassitude profonde que vous exprimez en disant « Allez, on fiche la paix avec ça », mais on a essayé de se débarrasser des religions et on a fabriqué des victimes fanatiques, etc. Et le retour du balancier a souvent été plus sévère. Je pense qu'il faut accepter, c'est la vieille maxime socratique, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et si nous faisons aux factions religieuses, si nous leur réservons le même sort que ce qu'elles ont réservé aux libres penseurs des temps passés, on entre dans une spirale de vengeance et l'histoire mondiale est malheureusement... l'histoire de ces mouvements de balanciers qui font que oppression religieuse, libération anti-religieuse, massacre de religieux, et puis après, quand ils reviennent au nous pouvoir... Nous y sommes. Nous y sommes. Hein, en un sens. Le jeu étant compliqué ici par des intérêts géopolitiques énormes, et bon... Et du pardonnez-moi coup, de cette ponctuation, mais somme toute, l'Iran des années 70 était une société très coercitive à l'endroit des religions, c'est une question... Hein. Il y a eu la révolution roméniste. C'est une chose très très compliquée d'ailleurs parce que les élites religieuses chiites ne partagent pas tout à fait le message politique qu'elles ont avec les fatwas, etc. Mais ils se sont dit que c'est la seule manière de réveiller l'Iran contre l'assoupissement que le Shah nous a. C'est souvent très compliqué. Alors, je ne fais pas ici l'éloge des fatwas, rassurez-vous. Hein. Mais je veux dire. Ça vaut la peine de voir ça d'assez près. Mais pour revenir au thème de la dangerosité des religions, parce que c'est un peu ça qu'on a tous les jours, moi je veux dire, attention, on fait de la religion un truc, la religion, celle des coupables qui verrouille toutes les têtes. Ce sont toujours des êtres humains, des hommes ou des femmes, qui, par lâcheté, par intérêt, par égoïsme, par démence, font tomber les têtes des autres. La religion est un prétexte. Celui qui me dit aujourd'hui, vous savez, la religion a beaucoup tué, je dis non, ce sont des hommes qui ont tué. Cessons de tout le temps remettre la faute sur l'autre. Alors, il y a des institutions religieuses, mais à la tête de ces institutions, il y a des personnes, il y a des programmes, il y a des sectes religieuses, il y a des mouvances religieuses, d'accord, mais ce sont toujours des êtres humains. La religion, cessons d'essentialiser la religion comme si elle était une sorte de fantôme. Alors, c'est comme les lits. Oui. Hein, on dit 95% des personnes meurent dans leur lit, donc supprimons les lits. Alors, aujourd'hui, les attentats sont religieux, supprimons les religions. Eh bien, vous aurez la même quantité d'attentats, mais ça ne sera plus au nom de ça, ça sera au nom du dollar faible ou au nom de je sais quoi. Alors, à ce moment-là, j'aimerais bien faire une incidente, si vous m'y autorisez. J'ai sous les yeux un livre qui s'appelle « La sacrée semaine qui changea la face du monde ».
qui a été écrit par un anthropologue et ethnologue qui s'appelle Marc Auger. Vous êtes au courant, vous l'avez lu? Non. Marc Auger, oui, ça me dit quelque chose. Vous connaissez Marc Auger, alors oui, oui. Son dernier bouquin... Je ne le lis pas dans le métro, mais... Voilà, alors son dernier livre, moi je vous le recommande parce qu'il répond exactement à cette question. Ça se passera en avril 2018 et le pape François dira sur la place à Rome, etc., son discours « Urbi et Orbi », « Dieu n'existe pas ». Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Que vous C'est effectivement extraordinaire. Oui, mais vous ne le connaissez pas. Et alors, le Marc Auger en question, le livre est amusant, 70 pages, etc., très argumenté. Tout va bien après, hein. Ça, alors, ça résout les problèmes avec les islamistes et les autres. Tout va beaucoup mieux. Et il a, à mon avis, le culot, hein, c'est le mot, de mettre en exergue. Alors, en exergue, je ne doute pas que le pape François témoigne d'une souriante indulgence pour l'hommage qu'a souhaité lui rendre l'athée que je suis, en lui faisant audacieusement endosser le premier rôle dans ce conte subversif et humaniste. Voilà. Alors, c'est publié chez Odile Jacob. Voilà. Alors, merci pour cette page vraiment rafraîchissante. Hein. Bon, moi, écoutez, moi, je ne demande pas mieux que les êtres humains vivent en paix. Mais je ne suis pas certain que l'inexistence de Dieu soit une garantie de paix. Et je vais vous dire pourquoi. Relisez L'homme révolté de Camus. Relisez, et c'est des raisonnements philosophiques, hein, là, c'est plus du tout confessionnel, ce que disent aussi bien Socrate, Sénèque, Cicéron, les partisans de la théorie du droit naturel. Voltaire, Jefferson, les inspirateurs des droits de l'homme. Ok, débarrassons-nous de ce fâcheux, ce dieu semeur de troubles, il est pour rien entre nous, soit dit, une fois de plus, on fait coiffer à Dieu le rôle du méchant qui inspire des horreurs, mais c'est nous qui sommes les coupables, c'est pas Dieu s'il existe. Maintenant, hypothèse athéiste, naturaliste, intégrale. Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il y a des obligations morales? D'où sortent-elles? Il n'existe que des états de choses, des faits. Il n'y a même pas de personnes. Il n'y a que des objets très complexes qu'on appelle des personnes. Mais c'est une superstition judéo-chrétienne. Donc, nous ne devons rien à personne. Et donc, un attentat ou un acte de secourisme sont sur le même plan. Je ne fais que reprendre l'argumentation d'Albert Camus, qui, à mon avis, n'est pas à la solde des religieux. Donc, je vous invite à réfléchir à ceci. L'athéisme, très bien, un monde sans conflit religieux. Si Dieu n'existe pas, est-ce que oui ou non, tout est permis? Je sais que c'est de la vieille rengaine de Dostoïevski qui agace tout le monde. Vous savez que Jean-Paul Sartre, j'espère que vous ne le soupçonnerez pas lui aussi d'être à la solde du parti prêtre, hein, Jean-Paul Sartre, à la fin de sa vie, il dit, mais au fond, si je crois vraiment que tuer un homme est absolument mauvais, je reconnais par là même une forme d'absoluité. Alors on l'appelle Dieu, le Brahman, le soi, ou comme on veut. Hein. Mais, et c'est pour cette raison que la doctrine des droits de l'homme ne tient pas sans son fondement théiste qu'on ne force personne de professer. Mais attention, à force de brandir un athéisme qui va guérir l'humanité de tous ces maux, au nom de quoi pourrez-vous interdire un assassinat? Ben non. Ou uniquement au nom de lois contractuelles. Il suffira que vous soyez dans une société spartiate ou au contraire, c'est bon de tuer les esclaves lors de la nuit d'initiation du jeune adolescent aristocrate. Eh bien, ben, c'est comme ça. C'est un fait de nature. Hein. Les petits mangent les gros, ou les petits sont mangés par les gros plutôt. Hein. Ou beaucoup de petits mangent quelques gros. En vous écoutant, je songeais aussi à la psychanalyse qui nous enseigne que l'homme porte en lui, que l'être humain porte une faille. Et il existe une sorte de religion de la psychanalyse aujourd'hui qui fait fi de l'origine religieuse de la psychanalyse, à la fois chez Freud, mais aussi chez Lacan. Alors, juste un mot avant que le public ne reprenne la parole sur la question de la loi, sur la question de savoir d'où vient la violence, si en supprimant les religions, on se débarrasserait de la violence. Pour la question d'Abraham, alors, dans la Genèse, c'est pas la même histoire que dans le Coran, mais
ce qui me paraît très intéressant, au fond, c'est que ce qui est malheureux, c'est que la plupart du temps, la lecture que l'on fait de ces textes consiste à mesurer la qualité et la valeur de la foi à la capacité de se soumettre qu'aurait un individu à une injonction d'origine prétendument divine et pour accomplir un acte qui est le plus odieux, c'est-à-dire sacrifier son fils bien-aimé. Et je pense que la psychanalyse aurait beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Et de ce point de vue-là, le texte du Coran est assez intéressant puisque c'est le fils d'Abraham qui n'est pas nommé dans le Coran, mais en gros la majorité des savants de l'islam l'appellent Ismaël, bon, peu importe. Et c'est le fils qui a eu un songe, en quelque sorte, et qui interroge son père, en quelque sorte. Et Abraham semble avoir quelques réticences, et c'est le fils, si j'ose dire, qui l'autorise à se soumettre à une telle injonction, alors que dans la Genèse, effectivement, c'est plutôt Abraham qui entend cette voix et qui ne le dit pas tout de suite à son fils. Et in fine, effectivement, le sacrifice n'est pas possible ou est interdit. Mais si on avait, me semble-t-il, un petit peu d'intelligence, il vaudrait beaucoup mieux dire que cette voix qu'Abraham entend, c'est évidemment pas celle de Dieu, mais c'est la sienne ou celle de son inconscient, et qu'effectivement, c'est sans doute plutôt une relation de rivalité ou de jalousie du père par rapport au fils qui fait qu'il a envie de se débarrasser d'un rival potentiel. Et donc, ce qui est admirable dans l'histoire, c'est que finalement, in fine, c'est Dieu lui-même qui prend le parti du Dieu, si j'ose dire, intelligent, c'est-à-dire qui ne confond pas le bien et le mal, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'il faut lire cette histoire. Autrement dit, la solution des problèmes, ça consiste à penser que ces grands textes religieux qui portent un sens si puissant sont aujourd'hui des questions publiques, intellectuellement et politiquement. Et qu'un texte est au milieu de deux cônes dont les sommets sont inversés. Le premier cône, ça s'appelle l'exégèse, c'est-à-dire qu'on étudie la façon dont ces textes ont été écrits, et toujours écrits par des hommes, quelle que soit la croyance que l'on a dans le niveau d'inspiration que ces hommes peuvent avoir. Donc établir la façon dont ces textes ont été écrits et écrits par des hommes dans des conditions sociales, historiques déterminées. Et l'autre cône, c'est l'herméneutique, c'est-à-dire le fait qu'un texte, ça se travaille, ça a du sens, c'est compliqué. Et ça, ce qui m'intéresse dans l'époque historique qui est la nôtre, maintenant qu'on ne croit plus aux religions laïques, qui ont fait énormément de morts, pour clore définitivement ce débat, les religions statutaires, traditionnels, textuels, révélés, reviennent en force. Donc, au lieu de dire « Mon Dieu, quelle horreur, cacher ce texte que je ne saurais voir », c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est apprendre à les lire et transmettre le savoir qui existe déjà depuis à peu près 2 siècles sur ces textes-là. Et ça, c'est une tâche immense qui est d'utilité publique. Bonsoir, Sandrine Gaston. Moi, j'aimerais avoir vos avis personnels, en fait, selon vous. À quel moment la foi d'une personne peut devenir, en fait, un danger pour la société, pour elle-même et pour la société? Une deuxième question, c'est peut-on parler de foi lorsqu'il s'agit de religions autres que des religions, on va dire, abrahamiques? C'est-à-dire qu'une personne qui croit en autre chose, c'est-à-dire animiste ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'on peut parler de foi? Enfin, voilà. Je vais essayer d'être bref. Pour la première question, je dirais que la dangerosité, non pas de la religion, mais de la foi d'une personne, entre en scène dès lors que tout critère rationnel disparaît. Non pas qu'il s'agisse d'enfermer une foi dans une déduction rationnelle, mais le test, est-ce qu'il est cohérent de penser que Dieu me commande de tuer les créatures qu'il a lui voilà. Donc la cohérence rationnelle pour moi est un marqueur intéressant. Et quant à votre deuxième question, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut parler de foi dans des religions
Oui, dans l'hindouisme, vous devez avoir foi dans le brahman. Oui. Vous avez la religion, les religions abrahamiques, il y en a tellement que parce que à l'intérieur des religions abrahamiques, les gens vous diront il n'y a pas de foi juive. Donc vous voyez, donc même à l'intérieur des religions dites monothéistes occidentales, si tant est qu'elles soient occidentales. Non, c'est le terme de foi qu'on emploie comme ça, bon, malgré les explications du linguiste qui sont bonnes, mais à la fois propositionnelle, croire que, la foi fiduciaire, croire en, la foi doxastique, croire sur la base de ce que quelqu'un d'autre dit, la foi objectuelle, avoir l'intuition que ça peut arriver, mais on ne sait pas quoi exactement. Il y a au moins 5, 6, 7 formes de foi. Alors, votre question, il vaut mieux la poser au cas par cas. Mais je ne vois pas pourquoi les religions abrahamiques auraient le monopole de ce qu'on appelle cette relation de foi, de confiance en. De je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et on peut mettre sa confiance en Krishna, on peut mettre sa confiance dans le Brahman. Alors, il y a peut-être juste une chose que l'on peut dire, c'est-à-dire qu'en examinant le comportement des gens et les doctrines, on peut se rendre compte sans doute que les religions ont infiniment de points communs dans la mesure où elles s'adressent à la fois aux hommes et dans des vies sociales. Donc le grand point commun de toutes les religions, c'est tout simplement l'homme et la société. Bon. Et donc ce n'est pas très étonnant que les religions aient des points communs. Alors toutefois, il y a certainement des différences. Et je pense que bon, ça mériterait d'être éprouvé, étudié, mais sans doute que le christianisme est sans doute la religion qui insiste plus qu'une autre sur le fait qu'il n'y a pas d'atavisme de la foi, même s'il y a une transmission de ce qui peut effectivement entraîner à croire ou à pratiquer. Et qu'en principe, la foi est la conséquence d'une conversion, en quelque sorte, ou la cause d'une conversion. Et que le baptême, par exemple, est un acte qui symbolise cela. Alors que l'on soit pédobaptiste, ou que l'on soit au contraire partisan du fait que le baptême soit l'expression d'une foi éprouvée de la part d'un adulte, en quelque sorte. Que ce soit par anticipation, en quelque sorte, ou par reconnaissance, il y a incontestablement dans le christianisme, peut-être plus que dans les autres religions, cette idée que la foi, effectivement, est un événement, même si cet événement est à la fois diffus ou sujet à éclipse, qui doit arriver dans la vie de l'individu. Ça, de ce point de vue-là, je pense que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle les fidèles, les pratiquants ordinaires, et puis ce que Max Weber appelait les virtuoses. Hein, les virtuoses, c'est-à-dire les gens qui se consacrent à l'ascèse spirituelle, les moines, etc., etc. Alors, le christianisme, avec tous les paradoxes en cascade que cela entraîne, est certainement la religion démocratique, par excellence, et qui voudrait que chacun puisse être un virtuose. Bonsoir, je viens du Mexique. Alors ma question serait, le Mexique c'est par rapport à la France un pays encore très très catholique. 95% des gens sont croyants. Et ma question est-ce que plus on va vers un monde civilisé, plus on perd la foi et pourquoi ? Est-ce que c'est justement, si la foi c'est la confiance, est-ce qu'on perd confiance ? Anne ? Écoutez, je ne crois pas du tout, parce que si on regarde, tout dépend déjà de ce qu'on définit comme civilisé. Est-ce qu'on va dans un monde civilisé ? Est-ce que les Incas n'étaient pas civilisés ? Je crains bien que si, très civilisé. Hein. Alors, plus on est dans un monde matérialiste, moins il y a de place pour la foi, peut-être. Mais là non plus, je ne crois pas que ça soit linéaire. La religion, la fidélité religieuse, les fidélités religieuses peuvent refluer par endroits, par moments, mais elle se transforme aussi.
Par exemple, bon, même si on prend l'exemple de la religion catholique, la religion catholique, la religion protestante se diversifient extraordinairement. Et je crois savoir, par exemple, qu'en Angleterre, il y a plus de baptêmes de personnes, d'adultes que d'enfants. C'est-à-dire, effectivement, on ne baptise plus son enfant. C'est quasiment... Ça devient très rare en Angleterre. Par contre, on se baptise à 40 ans. Bon, alors, je crois qu'il faut être très prudent par rapport à une espèce de grande vision où... plutôt à la place de civilisation, plus la technologie avance, plus la civilisation matérielle avance, et moins il y a de place pour la religion. Parce qu'encore une fois, il faut faire attention à la situation de la France, qui plus j'y pense, enfin plus est unique. Parce que j'ai entendu beaucoup de fidèles me dire, mais en France, on n'a pas le droit d'en parler, de la religion. Et alors, on se dit qu'en France, il y a encore quelques attardés qui vont dans les églises, qui sont d'ailleurs vides. Mais enfin, c'est plus qu'une question d'années, à la limite. Bon, mais enfin, quand on commence à regarder en dehors des frontières de la France, et tout près, le paysage est très, très différent. L'Allemagne est encore extrêmement religieuse. La Russie devient... renoue de plus en plus avec la religion, etc. Donc, je crois que il ne faut pas conclure trop vite. Très, très factuellement, alors le Mexique, sans doute, la relation. Enfin, on dit parfois que le Mexique a été laïque avant la France parce qu'il y a eu une révolution. Bon, sans doute, ça serait intéressant de savoir si la Pologne ultra-catholique ou le catholicisme était une puissance de résistance au communisme, etc. Mais justement, quand la Pologne s'est ouverte à la démocratie, certainement qu'on a vu justement une baisse d'influence du catholicisme qui néanmoins se maintient. Peut-être. Bon, mais même si je ne suis pas sociologue, et donc je n'aurai pas forcément tous les derniers chiffres en tête, les statistiques, mais sachez que, et ça c'est passionnant, y compris dans un pays comme la France, c'est-à-dire dans ce petit bout du monde le plus sécularisé, l'Europe, et dans ce pays, la France, qui est sans doute peut-être le pays européen le plus sécularisé d'entre les pays européens, le paradigme de la sociologie religieuse vient de s'inverser. Le grand paradigme de la sociologie des religions, tel que ça a pu naître en même temps que la sociologie politique au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est que, grosso modo, moins on habitait à la campagne et plus on était diplômé, et moins on était croyant. Ça vient de s'inverser. Aujourd'hui, plus on a de diplômes, plus on a de chances d'être croyant. Et l'endroit où on est le plus pratiquant en France, c'est Paris. Et la tarte à la crème, les églises sont vides. Allez vous balader en sociologue dans quelques temples protestants, dans quelques églises catholiques, dans le centre de Paris, vous verrez que c'est assez blindé, si j'ose dire. Alors, et donc là, c'est très intéressant. Alors que dans les campagnes, alors là, c'est le désert. Donc oui, c'est parce très que intéressant. C'est le désert en général. Oui, c'est Paris, le désert français, c'est la vie. Une question pour vous, justement. L'intervention de Philippe m'encourage à la formuler. Dans les colonnes de Réforme, il y a quelques jours, Patrick Boucheron disait que le problème était celui de la représentation politique. Non pas que les responsables politiques ne représentent plus les électeurs, mais simplement, ils ne se représentent plus, eux, le pays tel qu'il est. Est-ce que cette remarque ne vaut pas pour les religions? Est-ce que les responsables politiques ne devraient pas aller de temps en temps dans les synagogues, les mosquées, les... Juste un mot pour être très bref par rapport à cette question-là. Je pense que c'est une question très aiguë, très sensible, très compliquée. C'est que la France vit une chose très étrange. Elle est profondément catholique dans sa structuration politique, mentale et psychologique, même si on n'est plus croyant ou plus pratiquant catholique. Et en même temps, le catholicisme est devenu une nouvelle minorité religieuse. Mais les élites françaises sont encore largement catholiques. Bref, à quoi ressemble un député, par exemple? Réponse, un notable
qui habite plutôt en province. Et vous aurez sans doute parmi les... Et plutôt un homme de 50 ans qui est soit fonctionnaire, soit médecin, libéral, je ne sais pas quoi. Pas bon. De tous les côtés de l'hémicycle. Peut-être, si vous allez à l'Assemblée nationale, mon cher Philippe, vous verrez qu'il y a une très nette différence entre une partie et une autre sur le plan entre de la mixité. Entre la droite et la gauche. Ah, pour la mixité aussi, entre les sexes. Sur la parité, c'est la parité. Très, très net. D'accord. Très net. Mais ce qui est certain, c'est que les élites sont encore plus religieuses, précisément, que le corps social. Et donc, c'est ça un peu la difficulté très, très particulière. C'est-à-dire que le peuple n'est plus religieux, mais les élites, soit le sont encore ou le sont redevenues. Et donc, il y a un vrai divorce sur ce plan-là entre les élites et le peuple en France, qui est très compliqué à gérer, je pense. Mais bon. Bonsoir. Ce qui me gêne un peu dans tout ça, moi, c'est le présupposé de la religion et de la foi. Donc, après, à travers tout ce que j'entends, l'intitulé n'est pas remis en cause, en somme. Bon, moi, je suis catholique, c'est-à-dire, on me désigne comme catholique, tout ça. J'ai jamais eu la foi. Pour reprendre le monsieur, ah ben, il est parti, qui parlait de la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est pas... relatif à la religion, c'est pas le respect de toutes les religions, ça à la limite je m'en fous, je veux dire c'est surtout en dehors des religions justement, le laïc c'est quelque chose qui se définit en dehors du religieux pour moi, puis je crois pour le petit Larousse aussi d'ailleurs au passage. Donc la foi c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on perd par exemple, c'est quelque chose qu'il faut déjà construire, et je pense que c'est déjà une construction. C'est une construction. Et aujourd'hui, si par exemple, ça m'est venu spontanément à l'esprit, s'il y a un problème, soi-disant, de religion ou quoi que ce soit, ou de foi, c'est relativement à l'organisation du pouvoir, je dirais. Donc moi, je vois le truc comme ça. Donc je crois que, par exemple, en France, pour moi, affirmer la laïcité, c'est vraiment quasiment un devoir esthétique, en somme. Si tant est que la foi, c'est aussi une esthétique, c'est une construction. Et en tant que construction, c'est une esthétique, ni plus ni moins. Donc on peut tout à fait s'en passer. Et de toute façon, on s'en passera. Je n'ai pas très bien compris le sens de votre intervention. Mais je le dis sans aucun mépris, parce que je pense que ce que vous dites est très riche. Mais alors, est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est juste un témoignage? Est-ce que... On s'en passera. Quel est le présupposé? Vous dites qu'on pratique un présupposé sur la foi. Bon, ben, partons de rien. Et qu'est-ce qui existe? Alors des tables, des chaises, des êtres humains? Est-ce qu'il y a une cause à tout ça? Est-ce absolument, absolument. Et ben, moi, je suis bien d'accord avec vous. En partant de là, peut-être montrer comment on construit. On a construit et on construit toujours justement ce qu'on appelle la foi et par extension, parce que je dirais la religion. Oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous mettez sous le terme de construction? Si c'est projection arbitraire d'un schéma mental sur la réalité, effectivement... Ce n'est pas arbitraire, c'est justement une pratique, j'allais dire, une pratique à la fois physique et mentale. Quand je dis une organisation, une construction, c'est tout à fait matériel et c'est aussi pensé, dans la mesure où on considère l'être humain comme quelque chose de pensant. Voilà, alors on peut toujours discuter sur ce que c'est que la pensée, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. C'est trop facile de dire gna. Alors, ce n'est pas parce que Philippe et moi, on est en formation philosophique. C'est pour ça que quand vous dites, par exemple, que la religion n'est pas hors de l'intelligence. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est effectivement quelque chose d'intelligent. Quand ce n'est pas hors de la rationalité, non, ce n'est pas hors de la rationalité, c'est quelque chose qui est une rationalité. Mais intelligence ou rationalité, pour moi, c'est quoi? C'est une activité du cerveau. Voilà. Mais ce cerveau, il a affaire à quoi? Est-ce que nous sommes des cerveaux dans des cuves et que nous imaginons le monde? Ou est-ce que véritablement, nous rencontrons des gens, nous observons des lois de gravitation et nous nous posons des questions pertinentes au sujet de la réalité? Si vous êtes hyper constructiviste, je sais bien que c'est la mode, très bien, mais dans ce cas-là, cette salle même est une construction, nous nous représentons les choses, mais rien n'existe vraiment. Bon, effectivement, et tout se vaut de ce point de vue-là. Pourquoi pas, hein? Mais je pense qu'il y a des arguments réalistes
qui consiste à dire, écoutez, la meilleure explication du fait que nous puissions parler, c'est qu'il y a effectivement des objets métastables qui sont l'objet de nos jugements éventuellement contradictoires. Et je pense que si on commence par partir du postulat, alors ça c'est le vôtre, que finalement tout est construction, et donc tout est gna gna gna, bah écoutez, on ne peut pas construire un monde vivable ensemble. Justement, je ne vois pas pourquoi vous vous êtes amené à dire ça. Parce que c'est tout à fait le contraire. C'est justement parce qu'il y a des choses construites qu'on construit un monde. Elles sont construites à partir de quoi ? Parce que elles sont construites à partir de quoi ? C'est parce que n'importe qui peut construire à partir de nos veut. Actions. Nos actions, nous sommes dans le vide et par nos actions nous faisons exister. Mais nous, nous ne sommes pas du tout dans le vide. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est dans le vide ? On n'est pas dans le vide. Quand on parle de construction, moi je veux bien, mais il faut qu'il y ait des bâtisseurs et puis des matériaux. Eh ben, des bâtisseurs, matériaux, il y en a, et des matériaux, sortent. Il y en a. Oui, mais ces matériaux, ils sont construits ou pas, ces matériaux ? Ils sont extraits d'une... les bâtisseurs eux-mêmes, la question c'est la question de la condition humaine. Qui doit quoi à qui ? Est-ce que véritablement nous faisons tout nous-mêmes ? Personne ne doit quoi que ce soit à qui que ce soit. On ne doit pas. Voilà une position métaphysique qui est très intéressante. Il me semble que beaucoup de religions, au pluriel et en étant nuancées, hein, partent souvent, au contraire, vous appelez ça un postulat, mais de l'idée qu'au fond, nous devons l'existence à quelque chose ou à quelqu'un. À une réalité ultime, disent les ultimistes, à un dieu créateur, disent les partisans d'un dieu de la création, etc. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus que les droits de l'homme ont été fondés. Hein. Si vous regardez la déclaration de Pittsburgh de Jefferson, qui n'était pas une grenouille de bénitier, je vous rassure, c'est les droits de l'homme, ça c'est tous les hommes sont créés égaux et sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. La grosse bêtise, c'est d'avoir mis la propriété privée comme droit absolu. Ça, à mon avis, c'est ça la grosse bêtise. Hein. Mais pour le reste, la poursuite du bonheur, etc., hein, et donc d'avoir interdit la destination universelle des biens comme mode de vivre ensemble. Et toute l'histoire du monde, alors là, je ne veux pas faire mon couplet marxiste, mais c'est l'appropriation unilatérale des ressources. Ça vous en savez rien. Vous ne savez pas jusqu'où vous voulez faire remonter l'histoire du monde. Non, alors, écoutez, je vais faire l'un, effectivement, de, disons, moins 800 jusqu'à nos jours. Voilà. L'appropriation des ressources par les États-nations voilà, et les conglomérats. Oui, c'est grave. Enfin, on n'a pas beaucoup d'informations avant, donc on peut faire des conjectures ou des constructions. Je ne vois pas où ça nous mènera. Non, je suis navrée. Je vais intervenir. Non, mais, monsieur. Mais il ne s'agit pas de remplacer ça. Il n'y a qu'à le laisser là, vide. Oui, mais le vide, très bien. Moi, ça ne me gêne pas. Mais le vide, c'est peut-être pas gênant, mais lorsque les gens font n'importe quoi au nom du vide, on a envie de leur dire, mais écoutez, non, il vaut mieux... Moi, je ne connais personne qui m'ait dit, moi, je fais n'importe quoi au nom du vide. Au contraire, c'est toujours au nom de quelque chose. Et sans doute pas du vide. Vous n'avez pas lu les classiques du taoïsme et une grande partie de la politique chinoise... Exactement. Alors, une grande partie de la politique chinoise pratique le vouvaï, le non-agir comme une forme de politique, etc. Et ça a des effets. Ce qu'on fait au nom du vide, ça existe. On va faire une dernière, monsieur, on va faire une dernière intervention. Et je m'excuse parce que je n'ai pas su entrer en dialogue avec vous de façon apaisée. Non, mais bon, un peu d'animation. Hein. Le débat, c'est justement ça, c'est de laisser quelque chose d'ouvert quelque part. Voilà. Merci. Enfin, vous savez ce que disait Clémenceau, Félix Faure est entré dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Mademoiselle ? Ah oui, bonjour. Moi, j'ai juste une question assez simple. Juste la différence entre la foi et la croyance. Et après, dans un deuxième cas, moi, je suis en architecture et justement, je travaille sur les lieux de culte, surtout les églises qui vont être détruites en France ou qui sont en train de... Enfin, d'être à l'abandon. Et où est-ce que vous placez... Enfin, quel est le devenir de ces lieux où, justement, il n'y a pas plus forcément la foi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que, justement, il faut qu'ils soient remplacés par de nouvelles croyances ? D'accord. Moi, je vais répondre très, très brièvement. Effectivement, une foi qui se croit à certitude, effectivement, ça peut donner lieu à beaucoup de bêtises. Une bonne définition de la foi, c'est une croyance qui se sait comme telle, et qui en tire des conséquences intelligibles et raisonnables. Et je pense à un très beau texte de Nietzsche qui dit effectivement qu'il faudrait que dans les villes, puisque vous êtes architecte, alors ça peut très bien être les églises d'ailleurs, je vous rappelle que les églises en France, y compris celles qui sont affectées au culte catholique, elles sont environ 40 000, et c'est sans doute une bonne chose pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Elles sont entretenues sur fonds publics. Je pense que tout le monde doit se sentir chez soi dans les églises catholiques.
et qu'elles peuvent accueillir. Après tout, on peut être indisposé, mais on peut aller y méditer, même si on ne se sent pas catholique. Et en tous les cas, Nietzsche disait qu'il faudrait des lieux pour pouvoir méditer ou pour faire une place au vide. Et ça, je pense que ça me paraît, c'est très, très important. Et il y a des débats très intéressants, très concrets dans les hôpitaux, par exemple. Il y a quelques exemples de lieux qui sont multiculturels, mais au-delà, puisque à Marseille, par exemple, mais aussi peut-être à Paris, il y en a un, je ne sais plus, il me semble, où il y a des espaces qui sont conçus par des architectes, véritablement, où il n'y a pas simplement le vide ou le silence comme solution universelle ou comme plus petit dénominateur commun, mais où il y a un espace pour les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, etc., puis d'autres gens qui ne s'en remettent pas à une religion particulière, mais qui ont une place. Et donc, les architectes, je crois, ont beaucoup de choses à faire et à dire sur ce très beau sujet. Voilà.